Yo les gars, vous allez bien? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Nous sommes de retour sur Red Dead Redemption 2 sur PC. Enfin mon ami, regarde, on est bien sur PC. Regarde, là je suis dans paramètres, paramètres graphiques, tout le bordel, ça fait plaisir. Enfin mon pote, enfin. Alors j'explique ce que j'ai eu. Petit problème de PC, il y a quelques temps. Et du coup PC est en réparation, carte mère changée. Donc écoute, bon bah j'ai pas payé, c'était la garantie. J'ai eu de la chance, j'ai envie de le défoncer lui là, je vais pas te mentir, on est sur scène, j'ai envie d'y péter les dents. Le pire c'est que, hey, on a vraiment rien à foutre ici, hein. On a son assistante qui est là, et là je me demande ce qui se passe si à la seconde je fais spawn un animal. Par exemple là, un animal du genre plutôt animal féroce. Un petit ours ça fait de mal à personne, hein, un ours. C'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il a l'ours? Oh, oh. Les amis, on a un ours qui fait une crise. Oh, il y a encore le pistolet qui est dans les airs. Ce jeu est improbable. Eh, l'ours! Arrête tes conneries là, tu fais peur à tout le monde là, arrête là, c'est gênant là! Arrête! Arrête de bugger comme ça, gros! C'est la première fois que je vois un ours faire ça! Hein. Il arrive quoi à l'ours là? Attends, on va enlever. Ah merde! Du coup, il n'y a plus personne dans le théâtre là! À part un pistolet qui bug tout seul! Mais c'est malaisant d'aller bruit de fond et tout, le pistolet qui fait. Le mec qui continue à faire son numéro alors qu'il se passe rien! Ouais, c'est n'importe quoi, putain, ça a pas d'essence, incroyable, gros. Le jeu, on l'a flingué, on vient d'arriver dessus il y a 2 secondes. Ah, les gars, quelle joie, enfin, d'accéder au mode de Red Dead Redemption 2. Eh, quand on y a goûté une seule fois, tu peux plus t'en passer, hein. Tu ne peux plus jouer limite au jeu de sang. T'y arrives, mais c'est plus la même, tu vois. Oh, c'est tellement, mais c'est jouissif, les modes. C'est incroyable. Toi, tu peux faire plein de choses. Attends, par exemple, avant de faire toute bêtise, je vais mettre en invincible, tu vois. Tu peux mettre une patate au flic, tu vois, tu peux, à tout moment... Alors mettre des nions là, ça fait une semaine là, même plus, 2, 3 semaines peut-être, que j'ai pas pu faire ça là. Alors péter les dents au Condé là, ça m'avait manqué moi. Mais moi Red Dead PC, Red Dead console, c'est tellement pas le même jeu mon gars, c'est ça a rien à voir. C'est un monde d'écart tu vois. Ça fait du bien un peu de revenir aux sources là. À quel moment je tombe pas dans le trou là? Pourquoi on peut pas tomber dans les trous là? Moi je veux rentrer dans le trou là. Viens me le dire de profil si t'es un homme. Ouais, ça m'a tellement rappelé le film. Ouais. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon allez, je vous laisse les ploucs, moi je m'en vais d'ici. Je vous promets les amis, ça fait genre un mois que j'ai pas joué au jeu. Mais quel kiff de pouvoir... Là c'est vraiment ma première game là, tu vois, j'ai relancé le jeu. Bon, j'ai quand même craqué une sauvegarde parce que j'ai pas recommencé l'histoire, on la connaît. Mais ouais non, ça fait plaisir là. De revenir un petit peu sur Red Dead, de rejouer après un mois d'absence. Même plus d'un mois je crois. Aïe. Excuse-moi Arthur, ouais plus d'un mois, ça fait plus d'un mois que j'avais pas fait de vidéo sur Red Dead PC là. Ah là là, on va pouvoir reprendre les épisodes des coups de poing de Dieu, du pistolet qui fait du pistolet de Dieu, toutes les conneries qu'on a à faire là, putain on en a tellement. Seigneur, on va pouvoir s'amuser là, que la fête commence. C'est pas ici qu'il y a un mec qui est putain de chelou, qui veut faire des choses pas très catholiques, il me semble, attends. Il me semble. Ah ouais, il est là. Ah ouais, lui il met tellement mal à l'aise. Eh, qu'est-ce qui se passe mon gars si je vais le voir avec un skin d'enfant? Attends, bouge pas. Bouge pas. Personne veut être ton ami, bah tu te demandes pas pourquoi, voilà maman. On va le mettre comme ça, vraiment, ouais, en ado là. Je vais éternuer. Ah, Covid. Frérot, pourquoi tu veux plus d'un coup là? Il se passe quoi là? Hein, Rockstar, vous avez fait quoi? À bloquer les enfants comme ça là? Ah bah énerve-toi contre moi frère, allez. J'ai mis une patate. Alors là, c'est bon là, la frappée celle-là là. Alors frappé. Eh les gars, ça me rappelle une sombre histoire qui m'est arrivée. Je vais vous raconter une vraie anecdote là. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, je raconte jamais ma vie. Très rarement du moins. Mais là je vais raconter un truc qui m'est arrivé il y a très longtemps. En fait ce mec là, pour ceux qui l'ignorent, c'est un mec un peu bizarre tu vois. Bon déjà, gars, je vais te montrer la maison, je l'ai déjà montré en vidéo. Mais regarde, un peu bizarre la maison, tu vois, gars, avec des trucs pour attacher au niveau du lit. Bref, t'as capté, tu vois, il jouait d'enfant un peu bizarre. Et je pense, gars, là il y a des chaînes et tout là, gars. Ok, je pense que, voilà, beaucoup pensent que cet homme n'est pas très catholique avec les enfants, si tu vois ce que je veux dire. Bah faut savoir une chose, c'est que moi une fois je suis tombé sur un mec bizarre, donc j'étais chez moi mais lui était dehors, tu vois, et il m'a fait un... j'en rigole parce que, ouais, j'ai rien vécu frère, j'étais dans ma maison tranquille, safe, et j'ai juste vu à travers la fenêtre. Mais putain, dans le fond c'était chaud, hein. Il y avait un mec extrêmement bizarre qui se baladait où j'habitais, enfin où j'habite d'ailleurs, de cela très longtemps quand j'étais gosse, et le mec en fait il avait la particularité de sortir mais... À poil frère. Mais vraiment genre, tu vois, à nu comme à envers, c'est le cas de le dire. Et le mec, mon gars, qu'est-ce qu'il fait lui là? Eh, reste avec nous, on fait des frites. Mais frappe-le, c'est malaisant, mon dieu, frappe-le. Reste un peu là, toi.
Bon, je finis mon histoire. Et bah sachez que le mec, il est sorti de sa voiture, il m'a regardé, frère, il était complètement à walp. C'était un mec très chelou, hein, qui se baladait dans le coin. J'étais pas le seul à l'avoir vu. Moi, je l'ai vu ça de ma fenêtre, mon gars, j'étais bouche bée, bref. Et c'est la plus grosse dinguerie que j'ai vue de ma vie, du moins quand j'étais gosse, tu vois, on va dire, en termes de trucs bizarres. Hein. Tu vois, j'en ai vu d'autres, hein. J'ai plein de trucs que malheureusement j'ai vu ou que j'ai vécu. Mais ça, mon gars, ouais, j'étais chez moi, tu vois, le soir, et j'ai vu le mec. En fait, il a vu que je le regardais, tu vois, à travers le rideau, tu vois. Je soulevais le rideau pour regarder à la fenêtre, tu vois, comme une pie, mon pote. Comme une vamp. Et j'ai regardé et tout. Le mec, il a fait une fois. Il est passé une fois, il m'a vu. Et quoi, un quart d'heure après, il est repassé. Sauf que le quart d'heure d'après, quand il est repassé, bah, il était à poil dans sa caisse. Il est sorti de sa caisse. Et voilà, bref, t'as compris. En plus, il a fait l'hélicoptère pour pas te donner de détails. Bref, c'était tellement malaisant. Et ce mec-là, il me rappelle tellement ça. Il me rappelle tellement ce jour où j'ai vu un homme bizarre. Ça va être le titre de la vidéo. Le jour où j'ai vu un homme bizarre. Mais le mec était dans un zion très bizarre. Hein. Ah, il était vraiment dans. Ouais. Et j'étais pas le seul à l'avoir vu, apparemment. Le mec, c'était un crack, frère, tu vois. Et je vais vous dire une vérité. Quelques années après, je pense l'avoir revu, recroisé, tu vois. Sa tête, je l'ai pas oublié, tu vois. Parce que je l'ai vu au loin, mais voilà, t'as capté, je me rappelle très bien. Puis j'ai une très bonne mémoire des visages. Et même quelqu'un de dos à 150 mètres, 500 mètres de moi, si c'est quelqu'un que je connais, je sais que c'est lui. Et bah lui, c'est pareil, tu vois. La fois où je l'avais revu, putain, lui, je suis sûr que c'est lui, tu vois. Mais de quoi, violence sans armes? Le mec, c'est un fou avec les gosses et tout le monde. Et en plus, il fait des choses de ouf avec Arthur. Et du coup, je suis en. Et, attends, les flics, ils peuvent m'arrêter les flics ou pas? Question que ça là? Mais bref, tu vois, mon gars, j'avais vécu une histoire tellement chelou. Pourtant, on avait appelé les flics et tout, hein, t'as capté. Bref, j'avais pas témoigné, mais c'est mon père qui avait parlé pour moi à cette époque-là, vu que j'étais qu'un petit enfant. Attends, il est là. Vas-y, arrête-moi! Mais bon, voilà, je sais pas si le mec s'est fait choper après ou j'en sais rien du tout, j'ai pas eu de suite, quoi, tu vois, malheureusement. What? À quel moment c'est possible? Je ne suis qu'un enfant, redescends sur Terre. Y'a que dans Red Dead que tu pourras avoir ça. Le gosse qui se fait pointer par un mec avec un fusil complètement fou, ma boule. Je vais devoir la cinématique, moi. Attends, je vais devoir la cinématique quand je vais aller en prison. C'est improbable, mais bon, bref. Je m'y perds parce que j'aime pas trop parler de ça. C'est pas un très bon souvenir, hein, que tu gardes, mais bon, voilà, j'avais vu, voilà. Anecdote de ma vie, frère. J'étais petit, je regardais, voilà, par la fenêtre le soir pendant que je regardais la télé avec mes darons. Et il y a un mec chelou qui est sorti de sa caisse, ne bégaye pas Vince, qui est donc sorti de sa voiture, complètement à walp, qui m'a regardé en faisant l'hélicoptère avec. T'as compris, tu vois, t'as capté, on va voir dans les détails, bref. Et j'ai vu ça quand j'étais petit, hein, je sais pas, je vais avoir allé. Oh, je dirais. Entre 8 et 11 ans. Peut-être même 8-10 ans, ouais. Pas plus, je me vois pas plus vieux que ça à cette époque-là, et bref. Et je vais vous raconter une vraie anecdote sur le truc. La phrase que j'ai dit quand j'ai vu le gars dans cette position, j'ai dit. Oh, il est à poil, mais d'une manière tellement choquée, tu vois, genre en mode, c'est pas normal, tu vois. Et du coup, c'est là que mon daron s'est rendu compte et tout, que mon daron a commencé à enjamber la fenêtre, frérot, pour aller casser la bouche, mais il est parti. Mais bon, bref, quelle histoire incroyable. Quelle histoire incroyable. Oh. Attends, mais moi, j'en rigole maintenant, parce que, ouah, tu te dis, bon, j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai rien eu, j'étais chez moi, j'étais safe dans ma maison. Mais j'espère que, voilà, il n'y en a pas d'autres qui l'ont croisé alors qu'ils étaient pas comme moi chez eux dans la maison. Enfin, bref, c'est un autre débat. Mais quelle histoire incroyable, mon pote. Quelle histoire incroyable. Mec, je raconte jamais ma vie, j'aime pas ça, mais ça, mon gars, cette histoire. Il y a un bout de temps que je voulais vous la raconter un petit peu. Parce que je me suis dit, mon pote, faut pas que je garde ça pour moi, tu vois. Il y a tellement des personnes qui pourraient vivre un truc de ouf comme ça, il faut tellement faire gaffe, mon gars. Et dans la rue, c'est la jungle, frère, au dehors, c'est l'anarchie dehors. C'est pour ça que c'est à cause de ça, en fait, je pense qu'après, quand j'ai grandi, j'ai toujours un peu psychoté en mode, je regardais derrière moi tout le temps, tu vois. Même maintenant, quand je marche dans la rue, pourtant, j'ai peur de rien, hein, tranquille, mais je m'en bats les couilles. Mais j'ai toujours l'habitude de temps en temps, de checker un peu, tu vois, de regarder ce qui m'entoure, entre guillemets, tu vois. C'est en connaissant l'ennemi qu'on anticipe le danger, frérot. Bah, je pense que j'ai toujours regardé ça en moi depuis cette époque-là. Et ça m'avait tellement marqué vite fait en mode, ouais, c'est pas normal de voir ça, quoi. Tu vois, il y a des fous dehors. Bah, maintenant, même maintenant, quand je marche dans la rue, je regarde toujours un petit peu ce qui se passe dehors. Et j'ai gardé l'habitude en moi. Est-ce que je peux aller boire une bière avec Jack ou comment ça se passe? Alors, peut-être que je peux peut-être aller boire une bière avec le petit Jack. Oh là, les gars! Comment ça se passe? Ah, boisson. Verre de whisky, allez! C'est pas la voix de Jack, ça, pas du tout. Pas du tout, te fous pas de nous. Il veut me parler, lui, mais genre ça kéblo avec vu que je suis pas le bon personnage. Ah, il a pas pris son verre du coup. Ah, j'ai encore le verre à la main, c'est buggé. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'embrouiller, tu vas faire quoi? Tu vas me mettre au coin peut-être? Il va pas me le vendre. Si, si, il m'a quand même vendu une arme. Il a vendu une arme à un enfant. Le salaud, mais tu te respectes même pas, toi. On dirait des barman, enfin les bureaux de tabac qui vendent des clopes à des enfants, frère. T'arrives dans le landau, il te donne un paquet de clopes, limite, tellement le mec il pense qu'à son business. Eh, hey, je m'amuse comme un petit con là.
Attends. Barbier. Ah ouais, c'est ça. Coupe mal duvet, frérot. Cheveux coupés. Oh non! Ça va avoir fait enlever mon skin, je vais être invisible. Ah ouais, Agnès Down. Ah ouais, quelle femme elle, mon pote. C'est le fantôme dans le jeu. Regarde, je vais te mettre un skin d'elle qui va te faire flipper de mieux. Je l'avais montré en vidéo celui-là. Putain, ça fait plus d'un mois que j'ai pas joué à Red Dead. Mais je m'amuse. Ça fait du bien. Ça fait du bien de délirer un petit peu comme ça avec les mods. Attends, bouge pas. Player option. Apparence. Regarde. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde, dans la nuit, comme ça, dans la pénombre, tu vois ça qui marche, tu vois. Frère, on dirait la Dame Blanche. Est-ce que vous croyez, vous, tout ce qui est fantôme, tout ça, Dame Blanche? Et moi, j'ai été des coups avec des potes, mon gars. Jamais, on n'a jamais rien vu, hein. On a essayé, pourtant. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ah ouais. La dame fait un peu beaucoup. Eh, monsieur, oui. Eh, c'est la prostituée. Mais je suis pas monsieur, je suis madame, moi. T'as pas vu ce qu'il y avait sous ma robe? Ne déconne. Ah, c'est bon, je vais le prendre, ton macabre, là. Oh là là, je vais te l'enlever de là. T'inquiète pas, regarde, allez, hop. Ça part. Regarde, la Dame Blanche, elle est efficace, mon pote. La Dame Blanche est incroyable. La Dame Blanche, elle est super gentille en vrai. Elle est gentille, la Dame Blanche. T'es un peu flippante, la meuf, hein, quand même. Hein. Mine de rien, attends, je vais juste la cleaner un petit coup, tu vois. Attends, 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 on va la faire clean. C'est où, clean player? C'est ici. Ok, hop, elle est toute neuve. Toute neuve, la dame. Et il manquerait plus qu'une vieille pleine lune, là. Attends, attends, il faut que je trouve un spot, là, mon gars. Genre pochette de film d'horreur, un peu. Genre, c'est dans la forêt, un peu, ou aux abords de l'eau, comme ça, là. Oh, je sais pas trop comment la mettre. Tu m'as capté, t'as capté ce que je voulais dire. J'ai déjà le titre du film, Le fantôme du pont. J'avoue quand même que le fait de croiser ce genre de femme ne met pas vraiment en confiance. Les petits potes, c'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de refaire un petit peu le con là sur Red Dead entre guillemets. Mais je voulais vous expliquer un petit peu avant, faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas de vidéo de Red Dead, puisque j'avais des questions qui tombaient en MP, hein, surtout sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre. Tous mes réseaux sociaux s'affichent actuellement à l'écran. Voilà, j'ai eu une galère de PC, carte mère changée, t'as capté, je viens de te le dire, enfin j'ai dit en début de vidéo. Donc du coup, voilà, pas de possibilité de faire ce que je faisais avant. Donc tout va reprendre comme avant, comme si de rien n'était. Et voilà, ça m'a juste permis de faire une petite pause, entre guillemets. J'ai pris des petites vacances, quoi, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'était Vince. Moi, je vous dis, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Il y aura le retour, bien évidemment, des coups de poing de Dieu, des pistolets de Dieu, de toutes les conneries, de tous les mods, de toutes les présentations de mods que j'ai à faire sur GTA V et sur Red Dead Redemption 2, le mode histoire, bien évidemment, toujours des vidéos de Red Dead Online. Et j'ai peut-être une surprise pour vous avec l'arrivée de nouveaux jeux, des anciens jeux Rockstar, ou peut-être pas des Let's Play, hein, mais juste de temps en temps, voilà, je ferai peut-être des lives sur ces jeux-là, qui sont des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais enfant. Et ça me ferait plaisir de rejouer dessus, même si je ne suis toujours qu'un grand enfant. C'est pas parce que j'ai 18 ans, enfin j'ai 23 ans plutôt, et le permis de conduire et tout ce que tu veux, que voilà, dans ma tête je suis un enfant, donc voilà, je resserai un... Bon bref, on va faire des jeux, on va rejouer aux anciens GTA, t'as capté, voilà. Allez, c'était Vince, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Moi, la Dame Blanche, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, tout le bazar, c'était Vince. Allez, peace les gens, et merci à toutes les personnes qui me rejoignent chaque jour sur tous les réseaux sociaux et partout, le groupe Facebook, le Discord, merci à vous tous. Allez, peace les gens, et à demain pour une nouvelle vidéo.